Appuie celui-là du milieu. Pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et après... C'est surprenant qu'il n'y ait que cette station. Ça doit être inspiré d'une tradition ancienne. Le Christ est chargé de... Après c'est le calme. Là je réfléchis plus, là ça commence à me gaver. Jésus est cloué sur la croix. Cloué, ramassé, ou essu... ou Il porte la croix. Il porte. On a le choix. Cloué, ramassé ou porté. Elle est le juste prix. Ouais, là ils l'ont mis sur la croix et après ils le clouent. Donc la brochure en fait elle sert strictement à rien quoi. Enfin pas grand chose. Porte la croix. Je crois qu'il ramasse la croix. Je vois vraiment pas pourquoi ils ont fait ce puzzle comme ça. T'avais 6 images, t'avais qu'à faire 6 images. Enfin, 6... Si levier a poussé quoi, c'est pas dur. Les gens ils sont... Enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh. Ah. Lopez s'est d'abord fait emmurer par ses disciples et puis... Pas de témoin. Seules les mains d'un être légitime pourront saisir le destin des miennes. On parle de toi. Il nous a baladés pendant tout ce temps. Il a saboté tous les indices. Pour sauver la boîte des Trinitaires. Et des gens de Paititi. Il était consumé par son pouvoir. Ah, un piège. Oh putain, t'es sérieux. L'élu.
Enfin, ça m'étonnerait que ce soit l'élu quand même là. On vient de récupérer un monolithe, on va faire des nécromorphes. Un marqueur. Elle a avalé la boîte. Ouais, c'est magique. Maintenant, elle est quelque part. Sinon, elle peut pas nager. Oh. Ah. Elle est trinitaire maintenant. Ouais. Où elle est? J'en sais rien. Il me faut cette boîte. Va te faire foutre! Bien, alors on a fini. Canaro! Stop! Relâchez-le! Il saigne même pas, il a rien. Dès qu'il est libre, je vous donne la boîte. Lara, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu trop de gens mourir. Je sais, oui. Votre père était brillant. On me l'a arraché avant que je puisse le savoir. C'était mon ami. Mais il était obsessionnel et implacable. Vous ne le connaissiez pas. Il refusait de voir le potentiel destructeur de son travail. Il fallait y mettre un terme. Vous l'avez éliminé. Il risquait de conduire le public à Paititi. Tout ce que j'aime, tout ce pourquoi je me bats. Mon monde aurait été détruit. Et mon monde à moi. Oh, allons, Lara. Ça n'est pas comparable. Ça l'est quand on n'est qu'une enfant. J'avais 9 ans. L'enjeu était beaucoup trop grand. Une civilisation entière, des centaines d'années d'indépendance, des milliers de vies. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Ce n'est pas trop tard. Faites honneur à Onuratu et restaurez le soleil. Non. La menace est bien trop grande. Vous êtes un sale assassin minable et égoïste. Et vous, Lara? Combien de vies avez-vous prises? Et pour obtenir quoi? Là! Cours! Arrêtez-le! Le commandant Jonah Maya va, crétin. La microphe. On dégaine et on tire à tout. Ah, comme d'hab, quoi. C'est quoi cette merde? Et là, il la voit! C'était Rourke! Qui vient de passer en courant? Ouais. Tu crois qu'on devrait l'appeler? Surtout pas. Si jamais il y a un truc qui change, il nous préviendra. Là, il aurait dû me voir aussi. On rentre, et ce sera terminé.
Bon. On va... On va faire comme si on n'avait pas vu le gros cliché venir. Commandant Rourke, libérez ce canal. Mais chef, on entend des trucs bizarres au nord-ouest. On s'occupe de la situation. Je répète, libérez ce canal. Rourke, terminé. Construis pas une mission près d'un volcan. Deux secondes. Je m'en occupe. Je crois qu'il se passe quelque chose. T'as l'air en forme. Merde! Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Mais putain, c'est quoi ce bordel? C'est la mission qui l'a rendu. Ouais. Un homme à terre. J'ai rien vu. Passe devant. Merde, tu montes. Les enfoirés. Pip. Quoi? Cible reçue par les trois objets. J'ai pas tiré sur le casque hein, la deuxième fois, c'est pas grave. Je voulais qu'il aille vers le cadavre, je voulais faire pouf. Avec la... Avec la flèche. Ici Rourke, on a repéré Croft dans la cour. Je répète, votre objectif secondaire est de neutraliser Croft. Ils l'ont laissée toute seule dans l'église? C'était le chaos là-dedans. Clairement. De la boue pour pas qu'on la perde. C'est fini. Il peut plus s'enfuir. Ah merde. Mauvaise flèche. On perd du monde. Bien reçu. On tire à vue. Bordel. Qu'est-ce qu'il fait à sa place? Putain. Hé, hey, ça va? Si vous voyez... Je dépêche. Bon, on a cette terre auprès de pain. D'aller voir. L'ennemi est là! Ah merde. On va faire l'autre. Déjà mort. Je vais rien bouger. Bouge pas surtout quand je te tire dessus. Jonah, t'es où? Je suis dans le champ de canne à sucre. Ils peuvent pas me voir. Te fais pas repérer. J'arrive. Une moustiquaire. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. On a une flèche qui rend fou. Pardon. Où est-ce qu'on va? Lara, je vais passer par où? Hmm.
Je tire sur le bidon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Étrange. Sauter ? Non, je vais pas me dire que. Oh, putain. Champ de canne à toutes les unités. Cible prioritaire, Lara Croft. Vous avez entendu le commandant ? Tout le monde en chasse. Croft, je sais très bien que t'es là. J'aurais dû descendre en Sibérie. Mais Dominguez était pas d'accord. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais je vais corriger ça. Maintenant. Faut qu'elle meure, c'est obligé. Hé, hey, où tu te caches? Oh, ça me plaît pas du tout. Non, je crois pas. C'est reparti. Hé, hey, tu sais qu'il y a encore du rhum dans ces tonneaux? Bordel de merde, Jameson, fais ton boulot. Attention, Lara Croft vous massacre. Allez. Ah, tu sais qu'il y a encore du rhum dans ces tonneaux. Pourvu qu'on la tue, merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient? Non, il revient pas. Ok, ça marche. Il a pas intérêt à se foutre de nous. La chaleur et les hautes herbes qui me montent à la tête. Ok, c'est parti. Passe devant. Arrête, tu vas pas me dire qu'on peut les tuer dans les hautes herbes. Ah, oh, merde. Oh, je vais me soigner. Là, ça aurait été un peu con que je puisse tous les enchaîner dans les hautes herbes. Encore? Non, c'est bon. On aurait pu le faire délicatement, on l'a fait à la bourre. Hein. Pas très grave. Ça arrive. Il y en a encore un. Lui, il s'est dit non, j'ai entendu des tirs, j'y vais pas. Lui, il s'est dit non. J'ai une pension à payer, désolé, je peux pas y aller. Mais bon. J'ai des gosses, une famille. Du combat. On va la choper. Thank you.
Sarah. Je suis dans l'hélico, j'ai un pilote. Quoi? Dépêche-toi. On va piloter. Dépêche-toi. Attends, je dois récupérer des munitions et tout. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. On fait des flèches. Voilà. Ah. Bien joué. Tu vas bien? Ouais. Ça ira. Ok. Adieu. Jonah. Ils iront pas bien loin. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. C'est les moteurs qui ont pris feu? À cause de la cendre? Exactement le même parcours en plus. Là-bas. Aide pas les gens. Non, je me suis loupé. J'ai fait un saut, il fallait pas. Faut bien attendre à chaque fois de faire ces sauts dans ces scènes là. Faut jamais faire des sauts en avance. Bien être sûr. Ici Cardinal 1, moteur H. Perte de l'altitude. Faut sauter quand il faut en fait. Bien reçu. Pas anticiper rien. Juste une personne qui vient de se faire écraser devant moi, je l'ai remarqué. Je sais pas pourquoi elle a fait un petit saut cette fois. Tu vois. J'ai fait exactement la même chose pourtant. Alors peut-être je l'ai fait un tout petit peu trop tard, tu vois. Mais elle a fait un petit saut au lieu de faire un grand. Déjà, je sais pas comment elle saute quand elle a le cul par terre. Ici Cardinal 1, moteur H.
Ah, deux morts. Par là. J'ai un qui vient de se faire écraser par une voiture. C'est marrant quand on regarde un peu à droite à gauche là, les mecs sur les toits là, c'est drôle. Voilà. Tyrolienne. La rame, c'est pas de la merde. Voilà, là, tu me fais un super saut, c'est bien. Là, c'est ma faute, J'ai fait le grappin trop tard. Parce que je savais pas si c'était un saut où elle s'accroche à la rambarde ou à, c'est le grappin, mais j'aurais dû. J'étais en train de regarder à droite à gauche en fait, voilà. C'est ça l'erreur. J'étais en train d'apprécier l'apocalypse. Oula. C'était un peu tôt. Grappin trop tôt. Encore que je recommence la scène à chaque fois. Et pas avant. Beaucoup de défauts quand même. Ah. Bon, cette fois. Saut. Sale. Saut. Voilà. Accroche-toi, monte. Avance. Moteur relancé. On reconfigure les commandes. Concentration. Saute. Tyrolienne. Hop, c'est bon. Ah, c'était ça, donc c'est un super saut qu'elle te fait. Quel saloperie. UG, ici Cardinal 1. Les systèmes sont en ligne. Repart. Direction 3. Ils sont tellement scriptés, les sauts, quand il les fait. Allez, saute. On passe raté. Ah, bah là. Y'a pas trop le choix là. Il est où le torrent debout? Il est où le torrent debout? Qui est en train de pousser le village sur ta gueule? Non? Ok. Ça va. Ça marche. Ça va. Tout va bien. C'est encore loin, Paititi? On y est presque. Ah, oh, on retourne là-bas. Ah bah oui, il va faire son rituel. Je suis désolé pour la boîte. Son rituel là-bas, lui. C'est pas de ta faute. C'est Dominguez, c'est... Les Trinitaires. Depuis le début, aussi loin que je puisse me souvenir, ça a toujours été de leur faute. J'aurais pu avoir une famille. Tout aurait pu être différent. On retrouvera la boîte et on arrêtera Dominguez.
Majesté. Lara! Où est la boîte? Amaru l'a prise. Mais la mort du soleil approche. On la reprendra avant la fin du rituel. Ça ne va pas être facile. Il faut qu'on adapte le plan. Je t'en prie. Prends le temps de te préparer. On rassemble des hommes et des infos. Merci. Je vais rester pour aider Ushu. Préviens-moi si t'as besoin d'aide. Ok. Le gosse, il doit se dire, putain, j'ai misé sur la mauvaise personne, en fait. Elle, c'est une bonne à rien. À chaque fois qu'elle trouve un truc, elle se le fait piquer. C'est incroyable comme Etsli a changé en si peu. Ouais, super intéressant. Fait partir de bois, s'accorde forcément temps de permis. Ok. Ça passe pas mal. Ah, mais ça fait des dégâts de merde. C'est incroyable. Bah, du coup, on va prendre celui-là. C'est un petit nouveau, on va prendre celui-là. Alors, pour la tenue. Point de compétence, on en a 9. C'est un peu abusé, non? Venin de vipère, fabriquer des grenades empoisonnées qui tuent les ennemis proches, obscurcit la vue. Yes. C'est que le fusil maintenait RB pour fabriquer des grenades empoisonnées. D'accord, lance-grenade. Ok, ça marche. Ajouter un emplacement de fusée éclairante. Ah oui, ça, je voudrais le tester. Cool. Des munitions étourdissantes. C'est fou. C'est fou ce qu'on peut faire. Sous des... C'est un lance-fusée, ça. Et là, j'avais même pas vu. Ouais, là, il y a un lance-grenade. Lui, non, ça va. C'est normal, lui. Ah, je peux pas choisir mes armes, putain. Juste maintenant qu'on a des nouveaux jouets. Ah, attends, t'as une quête, toi. Ouais, non. Jonah, j'ai pas envie de te parler. Lara, je suis content de te revoir. Moi aussi, Ushu. Comment avancent les préparations pour le couronnement d'Etsli? Mal, hélas. Après ton départ de Paititi, un groupe de chasseurs a ressorti le corps de Zan de la jungle. Zan... C'est le deuxième homme qui est parti? Il cherchait l'arc du champion, oui. Lara, ça m'ennuie d'abuser, mais... Mais est-ce que je peux trouver l'arc du champion? Je te demande beaucoup. C'est l'objet le plus difficile à récupérer. Zan était mon meilleur homme. Est-ce que tu peux me dire ce que cet arc a de spécial? Les ancêtres d'Unuratu l'ont taillé dans le premier Seiba qui a poussé en pleine nature à l'extérieur de la ville. Il s'est transmis de génération en génération. Elle l'a donné à Sairi, le père d'Etsli, pour leur mariage. Il symbolise l'union des familles. Mais il a disparu depuis des années, volé par le Nawal.
Le Nawal. Quelqu'un qui a le pouvoir de se transformer en animal, c'est bien ça? Oui. Celui-ci rôde dans la jungle, près de la ville. Par jalousie, il a poussé Sairi à lui donner l'arc. Etzli est l'héritier de l'arc du champion. Sans lui, il ne sera pas roi. Ok. Compte sur moi. Merci. Tu trouveras l'entrée en face d'ici, un peu au-dessus de la rivière. D'accord. Je ferai de mon mieux pour trouver l'arc. L'arc de champion. Je sais pas pourquoi, avec lui, il y a toujours une fondue au noir, en pleine conversation. Comme s'il y avait... Comme si du temps, en fait... se passer entre les deux conversations alors que c'est la même. Ça me dérange. C'est bizarre. Oh, on est déjà à ça la sera fin pas long. Du jeu. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. On est à la fin du jeu. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Je crois. Il y avait pareil dans le deuxième, 65%. Ouais. Après, ça va être une longue ligne droite jusqu'à la fin du jeu, je crois. On va aller se reposer au feu de camp et demain on continuera, on fera la mission secondaire pour l'arc. N'oublie pas, le Nawal peut prendre bien des formes. Méfie-toi de ce que tu verras dans la jungle. Ça, j'ai combattu Jabba Yaga. C'est incroyable comme Etzli a changé en si peu de temps. Il fera un excellent roi. Il a perdu ses deux parents. Oui, comme toi. Oui. Mais je crois qu'il tient mieux le choc que moi. C'est juste l'impression qu'il donne de l'extérieur. Il a un poids énorme sur les épaules. Je me mets à sa place. Ça concerne plus juste les Trinitaires. Je me trompe? Non. Maintenant, c'est Païtiti. C'est des grosses conneries. C'est juste la vengeance parce qu'il a tué ton père, c'est tout. Ou alors il a fait tuer ton père. T'es en mode vengeance, Lara. Me fais pas le coup que tu veux sauver le monde. Là, t'es complètement en mode vengeance. Les effets des flèches terrorisantes durent plus longtemps. Ça peut être intéressant aussi de débloquer. 3 points. Ouais, on fera ça.